Ça y est, on y est. Il est exactement 1h23 du matin. On est le lundi 7 septembre 2015. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, l'exposition Game of Thrones ouvre ses portes. Donc là, je suis juste pressé de m'endormir et de me réveiller en me disant « Ce soir, c'est Game of Thrones. Ce soir, c'est Westeros. C'est les costumes de HBO, de tout ça. C'est... J'ai même pas de mots pour dire ce que je pense, quoi. Donc, je suis juste pressé d'être 18h et de foncer au Louvre Carousel et de découvrir tout ce qui se cache derrière l'exposition. Voilà, voilà. T'es à 2 mètres d'aller sur le trône. À 2 mètres, bah, ça me fait des palpitations au cœur. Je suis vraiment pressé parce que ça fait maintenant 5 ans, depuis 2011, que j'attends de voir le trône face à face, en vrai, de mes propres yeux. Et voilà, il est juste là-bas et on va y aller. Fais un petit cul. Alors Mehdi, souvenir de la bataille du mur, ça t'inspire quoi? Bah ça c'est la saison 4, épisode 9, ça, bah déjà c'est un épisode 9, c'est tragique, ça veut dire qu'il y aura un mort, un personnage qu'on aime tous qui sera mort, et pour le coup là c'était Ygritte, la petite amie de Jon Snow, qui est une sauvageonne, et bah... c'était assez tragique, parce qu'on pour ceux qui n'ont pas lu les livres, on s'y attendait pas. Et elle a été tuée par Oli, c'est un jeune qui a goûté la garde de nuit. Donc voilà. Bah, là je vais vous parler du costume de Daenerys qu'elle porte dans la saison 5. Donc Daenerys c'est la mère des dragons. C'est la reine des Andals. C'est un peu celle qui sauve tous les esclaves de Westeros. Enfin de Braavos pardon. Elle sauve tous les esclaves car avant elle c'était elle-même une esclave. Du coup bah elle essaie de sauver un peu tous les esclaves qu'elle voit. Et on lui a offert des œufs, 3 œufs de dragon. On peut voir un dragon qui est là, qui s'appelle Drogo. Drogo parce que son mari qui est décédé s'appelle Khal Drogo. Donc voilà. Bah ça c'est le costume de Tyrion Lannister, qui est porté dans la saison 4. C'est le costume où il tue son père, Tywin, dans les toilettes, qui tue avec l'arbalète de Joffrey Lannister. Donc voilà, c'est son costume durant toute la saison 4 vu qu'il est en prison et qu'il est un peu crado. Là c'est le costume de Joffrey Lannister qui est joué par le rôle de Jack Gleeson pardon. Donc c'est la tenue de son mariage et c'est là où il se fait assassiner, tué par quelqu'un qu'on ne sait pas encore. Sa femme, Marguerite Tyrell, le costume de sa femme. Et pour finir, des jumeaux, Cersei et Jaime Lannister, qu'ils ont eu comme fils inceste, Joffrey Lannister. On te suit, tu vas nous parler de quoi?
Bah là, je vais vous parler de cette fameuse couronne, la couronne de Geoffrey, qui la porte durant 4 saisons quand même. Donc, grand respect à lui parce que c'est l'un des seuls rois pour l'instant qui a réussi à survivre. Maintenant, on va parler des dagues. Les dagues des le nom des filles de Oberyn Martell. Donc voilà, les Sandes, si je me rappelle bien. Le fouet, et là-bas, si on peut avoir la main de Jaime Lannister, lui qui s'est fait couper la main durant la saison 3. Ça y est, tu vas passer sur Arte. Ah yeah. Moi, ça fait toujours plaisir de passer à la télé. Hein. C'était assez fun, c'était bien. Voilà. Alors dévoile-nous un petit peu, t'as parlé de quoi? Bah, de la série, de l'exposition, des costumes, du trône de fer, un peu toute l'histoire de Game of Thrones. Un petit un briefing. Pas trop de stress? Si, j'avais un petit stress. Mais après, bon, une fois qu'on y est lancé, ça y est, c'est fait. Comme le vélo. C'est ça. Soit Geoffrey Lannister, Jaime Lannister. Je suis un grand fan de Lannister. Alors, que dire de cette soirée? La soirée Game of Thrones. Bah, déjà, l'exposition est vraiment intéressante pour un grand fan, vu que j'ai vraiment adoré la soirée. Les décors, les costumes, il y a plein d'autres choses, plein de petites surprises que tous les fans vont aimer. Je tiens à remercier OCS HBO pour avoir organisé l'exposition. Merci à Zikma pour l'invitation. Et surtout, un grand bisou à Natacha et à toute son équipe de Babel Invel qui a organisé la soirée du 7 septembre, qui était vraiment une grande soirée, une soirée que j'ai adorée. C'était ma première soirée, et franchement, j'ai vraiment adoré. Merci beaucoup. Donc maintenant, maintenant on va ouvrir les cadeaux.
puis on a eu des cadeaux. Un t-shirt. Et un agenda, un carnet.